Les Albigeois en noir et jaune à gauche de votre écran. Et c'est hier, Kerkerin qui va donner le coup d'envoi donc de cette rencontre. Le quatrième face au douzième. Un grand défi que se lancent les joueurs de hier Kerkerin en venant défier ici Albi. Albi invaincu cette saison à domicile. 8 succès de suite. Qui n'en finit plus d'enchaîner les succès en pleine confiance. Ouais, mais il est bien frappé ce ballon. Et après moins de 3 minutes, voici les 3 premiers points de cette rencontre. Albi qui ouvre la marque grâce à son demi de mêlée buteur Kay. Et la réponse de hier Kerkerin par l'intermédiaire de Melinte. Ouais, la longueur, la précision. Kay qui ajoute 3 points à son équipe qui mène désormais 6 à 3. Et voilà cette équipe de hier Kerkerin qui recolle de nouveaux scores. Et le public applaudit dans les intentions albigeoises. Ouh, attention ce plaquage de David Smith. Ouais, forcément, l'intervention de l'arbitre, ça pourrait coûter cher à l'ailier de hier Kerkerin, même si ce geste est plutôt involontaire. Ouais, alors derrière ça se branche un petit peu, il n'y a pas de quoi se brancher, l'arbitre a tout vu. Alors la couleur du carton, jaune ou rouge. Ouais, c'est le carton jaune. Albi, on la joue à la main, cette pénalité. Ouais, je vous le disais, l'épreuve de force est lancée. Oh, ils ont pu se lancer justement. Et ils vont pouvoir aller dans leur but, inscrire le premier essai de ce match. Ouais, un petit peu attentiste là, les défenseurs de hier Kerkerin. On a joué vite cette pénalité et tout de suite, hein, visuellement, on a senti que là, il y avait de l'espace, qu'ils pouvaient se lancer. Ça fait la différence. Et oui, on n'est pas suffisamment monté. Ça défend sur les talons. Le ballon dans les bras de Lucas Guillaume, ouais, c'est sur lui qu'il faut miser ce soir. Et le ballon porté, effectivement. Là, ils sont solides, là, ils sont costauds, les joueurs d'Albi. Maîtrisent parfaitement cette phase de jeu. Regardez, avec les trois quarts maintenant qui viennent s'y mettre, Andro et Kouchinav. Ouais, ça risque d'aller au bout en puissance et en collectif. Le deuxième essai inscrit par Albi. Et l'essai de la délivrance pour cette équipe albigeoise. Inscrit, oui, à 15 contre 15, son deuxième essai. Et après, pilier droit, Chamga. C'est un autre avant qui a marqué. Ou peut-être un trois quarts. Peut-être qu'Andro ou Kouchinav là sont venus. Allez, en tout cas, Albi qui va pouvoir voilà, dégager ce ballon en touche, mettre fin à cette rencontre. Et voici la victoire 23 à 6. Pas la plus belle, mais elle compte tout autant. Succès pour cette équipe albigeoise, déception pour hier Kerkerin qui aurait peut-être mieux dû négocier cette rencontre et mérité mieux. En tout cas, sixième victoire de suite pour les Albigeois qui poursuivent la série.